Bonjour à tous, ici Rexta et aujourd'hui je vais vous présenter GTA Vice City sous iPhone, donc qui vient de sortir le 6 décembre, encore pour le 10e anniversaire, comme pour GTA 3 l'année précédente, c'est-à-dire il y a un an pratiquement, je sais plus exactement comment c'est sorti, donc disponible sur l'App Store au prix de 4,49€, ce qui est pas cher pour ce jeu. Voilà, donc une fois que vous l'aurez installé avec le très joli icône GTA Vice City. Donc, vous cliquez dessus. Et je vais vous montrer. C'est vraiment sympa. Donc, ça vaut vraiment. Après, si vous n'aimez pas acheter les jeux, peut-être qu'il y aura des réductions pendant Noël. Ah, ça, j'aime bien. Comme sur le jeu aujourd'hui. Voilà, donc on va pas le laisser entièrement. Voilà. Donc toucher pour continuer. Donc là c'est trop petit, c'est un peu débile. Même sur l'iPhone 5 c'est petit. Hein. Donc soit pour... je vais faire une nouvelle partie. Commencer. Pour vous montrer comment ça se passe. C'est comme sur Play 2 et ordinateur. Il n'y a rien qui change. C'est vraiment le GTA Vice City. Voilà, comme au début, et voilà. Faire passer ce genre de choses. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas les codes. Je pense pas qu'on puisse faire les codes. Voilà, je vais pas tout vous montrer. Là, je suis obligé de les voir en fait. Voilà, bon, je vais vous laisser. Voilà. Donc là, je vais juste vous montrer. Comment ça se passe? Donc, personnellement, moi au début, vous n'aurez pas l'accéléromètre en fait. Pour j'ai 700 quand même, vous n'aurez pas l'accéléromètre. Faudra jouer avec ça. Après, je vais vous montrer comment l'activer. Moi, je préfère avec l'accéléromètre au lieu qu'avec ça. Enfin, voilà, ça marche avec l'accéléromètre, mais l'accéléromètre n'est pas de défaut. Donc là, je vais pas faire la mission. Ah merde, ça me voyait pas. Voilà, bon, je sais pas si on me voit. Je me vois pas à la caméra. C'est bon, je me vois. Voilà, bon, bah, je vais pas tout vous montrer. Vous connaissez sûrement, mais bon, je vais essayer de taper quelqu'un. Le classique de GTA. Allez, c'est parti. Non, vas-y. Voilà, mon camion. Voilà. Donc ça pour... Mais je vais vous montrer comment activer l'accéléromètre. Moi, je trouve ça vraiment plus pratique. Pratique, excusez-moi, je suis fatigué. Vous faites aller dans le contrôle. Je sais pas si vous voyez ici. Direction. Non, c'est accéléromètre, vous activez. Puis voilà. Puis là vous allez accéléromètre. Donc voilà, je pense que ça c'est tout pour GTA Vice City sur iPhone. Voilà, donc c'était Direct Style. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oubliez surtout pas de vous abonner à mon canal de YouTube et moi je vous dis à la prochaine.